about French movies, wherein you will find the movies from different genre, and I would propose you to watch them as per your interest, because these are with subtitles, so you would be able to improve your reading, pronunciation and listening. So stay tuned and have a look at some movies in French. Soir de la Saint-Valentin. Je suis une fille traditionnelle. Attends, c'est qui? Voyons, comment vous dire? Il est parfait. Il est grand, 1m80, blond, de beaux yeux bleus, des fossettes, et en plus de tout ça, il a un accent. Ah, c'est vrai, évidemment qu'il a un accent. C'est le numéro 17 sur ta liste, c'est bien ça? 19 pour être exact, mais qui tient les comptes? Pourquoi tu restes si secrète à son sujet? Jamais eu l'occasion. Sérieusement, Kat? C'est un rencard internet? Ça va, ça permet de faire plein de rencontres. Ou rencontrer plus de menteurs. Et plus de crâneurs. Pas Bradley. Il est parfait, quel que soit l'angle sous lequel je le regarde. Il est plus que parfait. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais tu ne l'as pas encore rencontré en personne. On se rencontre ce soir. Les filles, je crois avoir trouvé mon âme sœur. Notre complicité est divine. Et pour toi, Amy, tu as prévu une soirée intéressante? Ah oui, trop bien. Content de vos cadeaux? Oui! Qu'est-ce qu'on donne, Michel, là? Merci! La bouffe, en plus. T'as amené tout ça? Mmh. C'est trop, Michel. Mmh. J'ai une valise en avant, mon loup. Et les crayons, c'est pas dans un. Ok. Vas-y, changez. Prends des pains, c'est sûr. Ah, ouais. Mmh. Ça me vient. Mais là-dessus, parce que ça m'intrigue, le truc des oreilles, vous kiffez vraiment. Ça veut dire, par exemple, si vous avez les oreilles rouges, ça veut dire que vous êtes excité. Voilà, c'est ça. Et curieusement, le matin, des fois, je me réveille, j'ai les oreilles un peu dures. Les deux? Les deux! Avec Alice, ma femme, on s'est rencontrés à 20 ans sur les bancs de Sciences Po. Elle était grande, elle était très élégante. Les yeux rieurs. J'ai eu plein de photos chez vous, c'est un blond, là. C'est pas mal. On a vécu une histoire incroyable. Je vous souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie. Putain, est-ce que je l'ai aimé? Qu'est-ce que je l'ai aimé? Puis elle est tombée enceinte une fois, deux fois, cinq fausses couches successives. Puis le verdict est tombé. C'est pas possible, il y a bien un truc qui peut vous soulager quand même. Voilà ce qui pourrait me soulager. Ah, ben ça, on est tous malades à ce niveau-là. Je suis peut-être même plus malade que vous. Juste
justement, je voulais vous demander, par rapport à ça, les femmes, vous pouvez, vous? Comment ça se passe? Faut s'adapter. Ouais, mais concrètement, vous pouvez ou vous pouvez pas? Bah, concrètement, je sais pas si vous êtes au courant, mais je ne sens rien de la base du cou jusqu'à la pointe de mes orteils. Donc, vous pouvez pas? C'est plus compliqué que ça. Disons que je peux, mais que c'est pas toujours moi qui décide. Puis on peut aussi trouver son plaisir ailleurs. Ah bon? Vous n'imaginez même pas? Ben non, j'imagine pas. Quoi, par exemple? Par exemple, les oreilles. Quoi, les oreilles? Ben vous savez, c'est une zone très particulière, érogène, donc très sensible. Donc votre truc, c'est de vous faire lécher l'oreille? J'aurais jamais imaginé. Philippe? Oh. Tu vois, là-dessus, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour vous en être... Thierry! Hey, Thierry! Doucement, doucement, on partage, toi. Encore, petite. Ça suffit pour ce soir. Excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que ça m'intrigue, le truc des oreilles. Vous kiffez vraiment, ça veut dire, par exemple, si vous avez les oreilles rouges, ça veut dire que vous êtes excité. Voilà, c'est ça. Et curieusement, le matin, des fois, je me réveille, j'ai les oreilles un peu dures. Les deux? Les deux. Avec Alice, ma femme, on s'est rencontrés à 20 ans sur les bancs de Sciences Po. Elle était grande, elle était très élégante. Les yeux rieurs. J'ai eu plein de photos chez vous, c'est le blond, là. J'en ai eu pas mal. On a vécu une histoire incroyable. Je vous souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie. Putain, est-ce que je l'ai aimé? Qu'est-ce que je l'ai aimé? Puis elle est tombée enceinte une fois, deux fois. 5 fausses couches successives. Puis le verdict est tombé. C'était une maladie incurable, elle était condamnée. On a décidé d'adopter. Monsieur Camus, oui. Comment allez-vous? Merci. Est-ce que je peux vous parler une petite seconde, s'il vous plaît? Oui, oui, petite minute, là. Ouais! Go! C'est parti. Voilà. Alors, je vous rapporte vos affaires. C'est de la part de ma femme. Ah. Comme je suis rentré plus tôt que prévu à la maison, ça nous embarrasse. Ça... Alors là, monsieur Camus, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne voudrais surtout pas que vous vous imaginiez que votre femme m'a hébergé autrement qu'en tout bien tout honneur. Oh non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais alors comme il n'y a qu'un seul lit à la maison, vous avez dû coucher par terre sur la moquette, forcément. Oui. D'ailleurs, elle est très dure, mais enfin, ça m'a quand même dépanné. Janvier 1949. Après plusieurs années d'échecs dans tous les domaines, j'avais la certitude que le pire était à venir. C'était un internat de rééducation réservé à des enfants en difficulté. C'était du moins ce que disait l'annonce. Fond de l'étang. Même le nom de l'établissement semblait avoir été choisi pour moi. Bonjour. T'es tout seul? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends samedi. Pourquoi? Mon papa va venir me chercher. Oui, mais on n'est pas samedi aujourd'hui. Épinard! Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. C'est votre premier poste d'appui?
Disons que j'ai déjà donné des cours dans un collège privé. Des cours de musique. Ah, vous allez vous entendre avec Rachin, le directeur. C'est un ancien joueur de trompette. Ah oui ? Bonjour, sur ses filles, justement. Il habite juste là. Et vous n'avez jamais rencontré Monsieur Rachin ? Non, pas encore. J'ai eu la place par Madame Boisson. Ah bon ? Lui, c'était le père Maxence. Il m'expliqua aussitôt qu'il remplissait les fonctions de gardien, infirmier, magasinier et vitrier. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est la puni de Monsieur Rachin. Qu'un jour de travaux d'intérêt général. Tu fais la boniche, quoi. Mais ils sont comment, les gamins, exactement ? On vous a pas dit ? Non. Mon infirmerie, tout à l'heure, je vous montrerai mon potager. Avec plaisir. Bon sang ! Qu'est-ce qu'ils ont encore fabriqué ? Attendez, je vais vous aider. C'est vous, Clément Mathieu ? Monsieur le directeur. Rachin, directeur de l'établissement. Ah, monsieur le directeur, je m'excuse. Ah oui, vous êtes en retard. Oui, on m'a donné une mauvaise horaire pour l'autocar. La ponctualité ici est une valeur fondamentale. Très bien. Monsieur le directeur. Très bien, monsieur le directeur. Bon, tuez-moi. En premier lieu, je vous invite à prendre connaissance de notre règlement intérieur, puis vous prendrez l'étude à 16h. Vous êtes après mon cours. Et... Qu'est-ce qui vous prend, là ? Eh ben, répondez ! Tenez, prenez ça. C'est mon œil. Encore un piège. Regardez, la jolie nature de nos pensionnaires. Allez, mettez-le là. Attendez. Je n'ai plus rien. Oui, bon, n'exagérez pas, hein. Montrez. Ah oui, quand même. Bon. I hope you enjoy watching the interactive videos through French tweets. And I wish you keep on learning with me. Thank you and have a nice day. Merci et bonne journée.